Les journalistes n'ont pu rester que quelques secondes dans la même pièce que Michel Cafando. Et c'est un homme visiblement fatigué, les traits tirés et le visage grave qu'ils ont vu. Il n'a pas esquissé un sourire, pas dit un mot non plus, impossible de lui poser une question. Il s'est ensuite entretenu pendant environ une heure avec Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, et le béninois Thomas Boniyagi dans cette résidence, celle que Michel, tout près du palais de Kossiam, le palais présidentiel. Alors, toutes les rues autour de cette maison sont désertes, occupées, gardées uniquement par des soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Ainsi, si Michel Cafando peut désormais recevoir certaines visites, il ne peut pas se déplacer librement.